Salut à tous, c'est Gabe153 pour la découverte du mode multijoueur de Black Ops 2. Et oui, je l'ai enfin, putain. Donc j'ai eu un problème avec le livreur d'Amazon et tout, qui a fait le con, enfin bref. Donc ça m'a saoulé, et du coup je l'ai eu un jour en retard, enfin c'est pas grave. Donc là, vous voyez, je suis niveau 1, j'ai encore rien fait, j'ai juste fait mon emblème à la clé, tout moche d'ailleurs. Absolument horrible. C'était juste pour voir ce que ça donnait un peu. Donc qu'est-ce qu'il y a comme nouveau mode? MME, multi-équipe, ça je sais pas c'est quoi. Effectif maxi. Ah oui d'accord, c'est 3 par 3 par 3 apparemment. On m'avait dit ça hier, un truc comme ça. Bon on va faire de la domination, on va faire le truc de base. Donc j'ai invité des gens comme ça rapidement. Donc Dundalfa et puis bah, c'est la seule personne que vous connaissez qui a fait pas mal de vidéos avec moi. Donc je connais absolument aucune des maps, je connais rien du tout. Carte top secrète, mode top secret. Ouais oui d'accord, ça c'est le truc aléatoire en gros. Ah c'est bizarre, j'ai pas l'habitude que quand je fais ça, et eh ben ça me. Ah c'est bizarre. Ah ouais d'accord, on... Ah ouais c'est cool ça. Ok. Et comment on fait pour aller voir le ratio et tout? Parce que oui, moi je suis un joueur qui aime bien aller voir les ratios. Donc, je suis désolé pour les gens que ça ne plaît pas, mais c'est juste histoire de voir. Ah ça m'a l'air assez compliqué tout le bordel là. Comment on voit le ratio? Au pire, si je trouve pas, eh ben vous m'expliquerez, mais à mon avis, je vais finir par trouver. Bon, alors, première partie sur Black Ops 2, j'espère que ça va bien se passer. C'est en live, que si vous ne l'avez pas compris. Parce que moi, j'aime bien faire les premières parties en live, c'est assez cool. Et ça fait très longtemps que j'ai pas joué fait une partie en live. Enfin, une vidéo en live, pardon. Allez, c'est parti. Donc là, on va aller prendre C, parce que, à ce que je sais... Ah ok. Ce que je sais, je voulais dire... putain, c'est super dur de se concentrer, ça fait tellement longtemps. Eh bien, c'est des score strikes, c'est pas des kill strikes, donc... prendre les positions, ça sert à quelque chose maintenant. Oh là, oh putain, attendez, que je m'habitue en plus... Oh putain, je suis pas en tactique. Oh attendez. Ils ont pris bravo. Je suis pas en tactique, vite, 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 tactique. Commande. Dragon ennemi tactique, dans voilà. Secteur. Oh, et la... La Sensi aussi. Drone ennemi en approche. Ah oui parce qu'apparemment ça va jusqu'à 14. Ok. Moi je suis bah je vais la mettre à 10 du coup. 27 dragons déployés. Ouais ça me va. Moi je joue avec une sensibilité assez élevée. Comme d'habitude. On va perdre B. Ah par contre là. Ah la voix du mec là, franchement je la trouve franchement horrible. Celui qui est tout en train de dire on va perdre B. Je dirais qu'il est en train de se. Prenez ses positions. Je dirais pas le mot mais. Je pense que vous m'avez compris. Charlie. Bon, je sais pas qui il est lui, parce que je connais absolument pas la map. Il est par là, il est passé là-dessous. Assistance. Ouf, je crois que c'était. Oh, bien joué. Alors, je comprends absolument rien à ce qui se passe. C'est la première partie, je connais pas du tout la map, c'est horrible. Assistance encore. Bon, je vais faire ça, je fais le gros noob là. Oh là, il y a des snipers. Dragon ennemi dans le secteur. Toi, tu crèves. Ah, la Semtex, je croyais que c'était chez nous, mais c'est dommage. Ah, c'est super dur de se concentrer en live. On va mettre une fumée là-bas, dans le fond. Je sais pas pourquoi je lance une fumée, parce que je lance jamais de ça. Ah, d'accord. Bon, au niveau des... On va parler un peu des graphismes pour l'instant. Mon premier appel... Enfin, ce que j'en pense pour le moment... Bon, ça va, c'est potable, hein. Mais ils ont encore pas évolué, comme d'habitude. Ah là 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 là, je t'ai dit combien? 2-4, ah ouais, d'accord. C'est absolument horrible. C'est très dur de se concentrer en parlant en même temps. J'aurais dû faire une ou deux parties juste avant. Parce que là, en fait, c'est tellement compliqué de parler en même temps, de capter votre attention par la même occasion. Alors, on va essayer de prendre A. Plus j'ai une arme à courte portée, j'aurais pas dû prendre celle-ci. Je vais changer d'arme après. Hop là. 200 points que ça donne, c'est franchement énorme, ça fait 2 kills. Je crois que là, cette fois-ci, sur Call of là. Franchement, c'est une bonne initiative ça de faire des score streaks parce que ça fait. Là, on va avoir plus de joueurs qui vont jouer l'objectif, c'est assez. C'est franchement une bonne initiative. Je suis en train de regarder. Comment est la map en même temps? Toi tu crèves. J'aimerais bien débloquer un premier drone ou je ne sais quoi.
Je crois que c'est un drone à mon avis. Hop là, toi tu crèves. Ah oui, un drone. Effectivement, par contre là ils vont spawn par là à mon avis. Je connais pas par où. Ah ouais, il m'a vu ce con. C'est moi qu'on meurt pas aussi vite que sur MW3. L'avantage de Black Ops, c'est que c'est bien plus compétitif. Oh là là, je connais vraiment pas la map, c'est horrible. Du coup je sais pas où qui sont. Ah putain. On va changer d'arme, on va voir ce que ça donne. Alors là j'avais le Scorpion Evo et apparemment la... Ah merde, y'a pas la MTAR-21, ce qu'il me disait. M12... M27, je vais tester la M27. Comment ça... Ah d'accord, ça m'a encore remis celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a comme arme secondaire? Ok, un petit pout-pout. On va essayer de les rusher. Au niveau des bruitages d'armes, franchement, je suis pas aussi déçu que sur Black Ops premier du nom. Ah non, j'ai pas switché d'armes. Franchement, pour l'instant, je joue vraiment comme une merde. Faut le dire. La M27, enfin la M27, elle a l'air plutôt pas mal. Plus là, cette fois-ci, on n'a pas du C4 parce que je sais plus jouer au C4. Oh là là, je me suis fait éclater. J'ai du combien? 5, 1, 5, 7. Oh mon dieu. Oui, donc là, les manches de domination se font en deux parties, à ce que j'avais vu sur les vidéos des d'autres youtubeurs. Toi, tu crèves. Il y en avait un autre apparemment. Ils sont où? Est-ce qu'on peut passer en bas? Non, ok. Bon, pour l'instant, 7-7, c'est franchement moche. Mais bon, c'est la première partie, enfin la première... premier début de partie. Ouais, 7-7, c'est franchement moche. Mais je m'en sors bien. J'ai fait une petite découverte de la map et tout. Elle m'a l'air plutôt pas mal, donc ce que je vois, c'est sur un porte-avions. C'est original. Ah oui, j'ai un drone, j'avais oublié. Attention, MQ-27 est repéré. Oh, par contre, là, il y a un hélico. Et apparemment, les killstrikes se pètent assez rapidement. Par contre, c'est quoi ces hélicos-là? À mon avis, c'est des méchants. Des méchants petits. C'est bien colis stratégique. Ah, il y a tout le temps les petites voitures. Je sais plus comment elles s'appellent. Par contre là je crois que ça va monter par là. Je vais faire attention. Voilà, je l'avais dit. Tant pis. Oui, donc c'était par là que j'avais été. Ah, ça c'est difficile quand on ne connaît pas la map de se repérer. Ah oui, oh mais gros noob. J'ai l'impression d'avoir jamais joué à un Call of. Franchement je m'excuse pour la qualité du gameplay mais... Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Black Ops. Putain de merde. Qu'est-ce que j'ai comme arme secondaire? Oh d'accord, le truc pourri. Ah, on va voir ce que ça fait. Ah, c'est assez bizarre le viseur. C'est vraiment futuriste hein. Oh là. Ah ah ah, ça c'est pour ma gueule. Voilà, je l'avais dit. Putain, ça c'est franchement puissant, un truc de ouf. On va perdre OC. Vite, 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 Calypso. Hop là, tu crèves. Est-ce qu'on peut passer là? Ouais, c'est parfait. Je suis en train de tout découvrir, tous les petits passages et tout. Mais donc, je disais tout à l'heure, donc moi, je suis un joueur qui joue surtout sur les connaissances des spawns, etc. Je suis pas un joueur à rusher comme un con dans le tas. Je joue vraiment très stratégique, normalement. Putain, je fais absolument n'importe quoi. Oh là là, mon dieu, c'est horrible. Pour l'instant, sinon, au niveau gameplay, je suis pas déçu. Pour le moment. Bon, il suffit juste d'un petit temps d'adaptation. Au niveau des armes, etc. De la carte. Parce que ça risque d'être assez compliqué sinon. Putain. C'est horrible. Et puis, je joue jamais avec une arme sans silencieux, moi. C'est pour ça que je vous dis, je suis un joueur stratégique parce que je contourne les... Je fais toujours des contournements. Il y en a un autre dans le fond. Ah oui, mais merde, putain. Je suis habitué à switcher d'armes pour avoir mon 44 Magnum
sur MW3, mais là j'ai fait n'importe quoi du coup. Drapeau sécurisé. Tenez vos positions. Ouais, c'est franchement horrible la partie pourrie que je fais. Drone en approche. Mais sinon, ouais, franchement, il n'y a pas à se plaindre pour le moment. Bon, là je me plains au niveau de la qualité de mon gameplay. Parce que c'est franchement laid. En plus, je lance une Semtex alors que le mec il est déjà mort. Et je tire à côté comme un con. Là il est sorti, lui il va falloir faire le. Attention. Hop, par contre là, je sais plus trop comment ça se présente par ici en bas. Ah, donc ouais, quand on se couche, c'est comme dans Black Ops premier du nom. Oh, les coups de couteau qui passent très mal. J'avais oublié ce détail là. On m'avait dit que le coup de couteau passait très mal, mais j'ai voulu faire un coup de couteau, vous avez vu, le réflexe. Mais bon, j'étais un petit peu à côté aussi par la même occasion. Mais tant mieux, là franchement je suis content que les couteaux passent mal, malgré que je suis mort. Pour la peine, mais je suis vraiment content qu'il passe plus aussi bien qu'avant, parce que franchement c'était super rageant. Tu crèves toi. Je commence un tout petit peu à prendre mes marques sur ce nouveau Call of Duty. Ça c'est galère, mais on va s'y faire. Ah putain de merde. Attention, sinon j'allais mourir avec une Semtex, donc de toute façon. Franchement c'est vraiment pas fameux du tout. Bon, au moins, si on gagne la game, c'est déjà un bon début. Donc là, je crois que c'est des. C'est quoi ça que je lance? Je sais pas c'est quoi que j'ai lancé. Va falloir m'expliquer. Va falloir que je regarde ça par là. Après. Je sais pas c'est quoi. C'est des flashs ou quoi? Ça doit être des flashs, ouais. Des grandes chances. Attention, il y en a un qui est par là. Hop, crève. Oh putain, oh oui, oh là là, il y a déjà des campeurs. Il a déjà trouvé son petit spot lui. Je crois qu'il est mort. Attention, votre équipement a été détruit. Eh, il m'énerve vraiment le mec qui parle. Oh là là, il a vraiment une voix pourrie. 17-17. Franchement, horrible. Un ratio de 1. Oh mon dieu. Oh la partie bouseuse. Bon, il y a franchement aucune personne dans mon équipe qui a franchement fait une bonne partie, à part 31-16, à peu près potable. Bon bah, comme ça, j'ai fait ma première partie sur Call of Duty. 12 minutes pour la partie. Ah ouais, c'est un peu plus long d'habitude que les parties normales. Donc ça promet. Ça, je m'en fous. Je m'en bats les steaks aussi. J'ai pas envie de refaire la même map. On va voter Turbine pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je vais voir? On peut pas créer une classe pour l'instant encore? Si. Ouais, parce que ça, c'est la grande nouveauté, Oh là, oui, oh là, comment c'est présenté trop bizarrement. Enfin, voilà. Il va falloir un long temps d'adaptation. 5 snipers. 4 snipers, pardon. Alors, les mitraillettes, il y en a combien? Il y en a pas mal aussi. J'ai bien envie de tester la petite MP7, moi. Mon arme préférée. Avec en arme secondaire. Toi tu rêves, je vais sûrement pas prendre un SMO. C'est le 5-7, une arme que je déteste, mais bon. Grenade Semtex, je vais débloquer, équiper. 4 jetons de déblocage. On les voit où nos jetons de déblocage? C'est où qu'on les voit? Mais on les voit où? Sérieux? Moi je sais pas. Alors, poids léger, détermination. Donc je prends poids léger. Faut tressailler moins que lorsque vous êtes sans froid. Bon, on s'en fout, on prend les. Ah voilà, ah oui, d'accord, ils sont en bas les jetons de déblocage. Ok. Je sais pas si c'est à chaque niveau passé, j'espère pas d'ailleurs, parce que sinon on est dans la merde. À chaque niveau passé, ou à chaque. C'est avec les points, je sais pas. On verra bien. On va cesser la petite MP7. Apparemment, certaines personnes diraient qu'elle est encore cheatée. Donc on va bien voir, on va faire notre propre avis. Parce que moi, j'aime pas écouter le. Enfin, me faire un avis par rapport à ce que les gens disent. C'est franchement n'importe quoi. Honnêtement, les gens, faites-vous votre propre avis. Il y a que comme ça que vous allez être sûr de. Ah putain, Daka, tu m'as bloqué. Il y a que comme ça que vous allez voir si c'est. Ce que vous dites est fondé. Et faites votre avis et pas au bout de une heure de jeu. Hein. Faites votre avis au moins. Passez au moins un prestige. On va perdre B. Histoire de voir si c'est.
Parce qu'il y en a qui sont déjà en train de... Je ne citerai pas, mais c'est un youtubeur très 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 connu. Enfin bref, je ne citerai pas le youtubeur, mais il est déjà en train de se plaindre alors que... Bah voilà quoi. Le jeu vient de sortir, donc je vois pas l'intérêt de se plaindre dès maintenant alors qu'il a pas vraiment pu faire son avis sur le jeu. Je trouve ça complètement débile. Oh, la voiture qui a explosé, super. Je l'avais dit. C'était obligé. Putain, c'est très dur à se faire à la map. Putain de merde. Il y en avait trois ici. J'aurais pu faire une belle petite feed. Ah d'accord, ça c'est une grenade para. Et les autres trucs que j'étais en train de lancer, je sais pas c'était quoi. On va perdre B, ok. Oh! Allez, ça. Oh! Lui, il se fait plaisir. On allie, on approche. Il va pas se faire plaisir longtemps non plus, quand même. On va perdre. Ah, c'est hallucinant comment je fais. Vous allez vraiment me prendre pour un noob. C'est vraiment horrible. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai plein de gameplay de Black Ops 2, à mon avis. Vu que. A savoir que Black Ops, ça a été mon. Oh putain, l'enfoiré, c'est quoi cette merde? Black Ops a été mon Call of préféré. Et MW2 après. D'ailleurs, MW3 ça a été une grosse déception pour moi comme pour pas mal de joueurs. Ah putain, ils peuvent même les mettre là. Ah mais les enfoirés. Je sais pas d'où je meurs en fait. C'est hallucinant. On en approche. Du coup, j'ai même pas débloqué mon drone. Là, il y a un mec qui arrive par là. Je vais essayer d'aller lui péter sa tête. Attention, on est bien, on approche. Je la trouve pas forcément cheatée la MP7 hein, pour le moment, elle est bonne. Enfin, elle est bonne. elle est plutôt pas mal. Pas énormément de recul. Une bonne portée à ce que j'ai vu. Bon, ça c'est du suicide de se remettre devant. Mais je suis un fou. Et il s'est barré. Oh là là, c'est compliqué pour le moment. Ah ok, bah oui, super. Donc là, le spawn qui a été super bien fait, apparemment. Je spawn, il y a le mec encore ici qui me prend pas ses balles, ça commence. Bon, excusez-moi, je suis un gros rageux. Il va pas me saouler longtemps, lui, quand même. T'as, c'est horrible de jouer sans silencieux quand je suis habitué à jouer avec ça. Hop là, je l'ai flashé, cet enfoiré. D'en avoir un par là, je le savais. Je commence à connaître les petits endroits. Je vais faire attention de pas nous faire... Hop là, oh, je croyais que c'était un ennemi. Peut-être pas qu'on se fasse contourner, ça serait assez bête. Ton ennemi, on approche. Alors, c'est par où? Allez, moi c'est bon, je crois que j'ai sang froid, donc c'est bon. On va perdre, okay. À mon souvenir, j'ai sang froid sur cette classe. Allez, viens toi. Oh l'enfoiré, putain. Ouais, bah c'est pas possible que j'ai sang froid et il m'a pas repéré comme ça. On va perdre, bravo. Putain, ils sont où? C'est vraiment dur à se faire à la map, c'est ça le problème. On en approche. J'ai peur qu'ils arrivent à droite là, ouais, là-bas. Oh là 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 là, je suis à moitié en train de camper en plus, tellement je suis en... limite en stress. Attention, ils vont arriver là-bas. Ah, ils sont partout là autour de moi. Toi, tu crèves. Ah, j'étais je sais pas quoi, flashé ou un truc comme ça, enfin un truc bizarre. Du coup, je vois plus ce qui se passe devant moi. C'est assez horrible. Ah, je commence un tout petit peu à m'y faire. Ah, j'allais aller le tuer. 13-11. Encore une partie, enfin une première manche assez pitoyable. Bon, la petite kill cam. En double, wouhou! Je suis une bête. Ah, franchement, honnêtement, j'aime bien la MP7. Je commence à bien la kiffer. Bon, moi, depuis MW3, franchement, la MP7, je suis tombé amoureux. Ainsi que la CR, mais je crois pas qu'il y a la CR sur ce Black Ops, ça m'étonnerait. Allez, 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 allez. Hop. On va mettre un petit drone.
On va essayer d'avoir de débloquer le deuxième kill strike, ça serait plutôt pas mal. On va essayer de pas se faire tuer comme une merde. Attention, drone de chasse ennemi en approche. Drone de chasse ennemi, c'est quoi cette merde? L'ennemi a pris, bravo. Ça a l'air franchement surpuissant le kill strike qui lance plein de missiles Predator à moitié d'un coup. RCXD allié en approche. Ah, le gros nous. Eh, franchement, là, j'ai vraiment chié dans la colle. Ah, la gueule. Franchement. Putain. Attends, je suis pas du genre à stresser quand il y a plein de mecs devant moi. Mais là, j'ai fait de la merde. Toi, tu prends ta grenade dans la gueule. Et on en parle plus. Toi, tu vas crever. Hop là. Et on en parle plus. Ah là 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 là. Je croyais les avoir par surprise, mais non. Finalement, je me suis fait éclater comme une merde. Oh le con, le con. Oh oui, c'est bon, je l'ai vu. Ah, derrière moi. Putain de merde. On voit que c'est tout le temps aussi comment dire, aussi réactif que d'habitude. Ça, c'est sûr, ça change pas. C'est un call-off. Par contre, là, il y a un drone ennemi et je crois pas que je... Non, mais je crois pas que j'ai 100 points sur cette place là. Oh, le gros noob, pourquoi je vais là-dessus, moi? L'endroit trop cramé. Heureusement que je les ai eu. Putain, arrêtez de me flasher, bande de fous. Oh là 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 là. Ça pète de partout, franchement. Ah là, il va y en avoir qui vont arriver. Allez, venez. Ah là là, je croyais franchement pas qu'ils allaient arriver dans le fond, parce que je croyais pas qu'on pouvait aller dans le fond. Et bah maintenant je le sais. Du coup, je me méfierai la prochaine fois. Allez, la grenade va faire au moins un kill. Même pas. Super. On va essayer de prendre B, parce que ce serait con de se faire attraper. Oh et merde. Putain, les snipers, ils ont franchement l'air de... d'être plutôt pas mal sur ce nouveau Black Ops. Attention, trop d'ennemis en approche. Je sais pas qui sont, franchement. On sécurise B. J'ai franchement du mal avec les spawns là. On va pas se suicider. On va le laisser venir. Ah non, t'es flashé mec, arrête, tu pouvais pas me tuer. J'avais pas envie que tu me tues, enfoiré. Prenez votre grenade dans la tronche, vous. Hop, tu crèves. Ah, c'est peut-être comme ça tout à l'heure, je me suis fait tuer. Parce qu'il devait y avoir mon arme qui dépassait. Oh là là, mais j'arrive pas à enchaîner, c'est horrible. Attention. On va y arriver, les amis. On finira bien par faire une bonne série quand même. Parce que là, je fais des séries de 3, super. Il y a un mec dans le fond là. Bravo. Dans le fond. Hop là, tu crèves. Oh, il a fait une triple à la Semtex. Bien joué. Enfin, ou à la grenade, je sais pas. On va attendre qu'ils arrivent. Je sens qu'ils vont arriver. Allez, venez, venez, venez. Attention, on se relève. Et voilà, tu crèves. Allez, Calypso, tu vas y arriver à faire une bonne partie. Tu peux le faire. Ah, silencieux MP7 débloqué, ah, ça c'est magnifique. Ah, là je suis heureux. Oh mais, ah putain. c'est dur les amis. J'ai vraiment énormément de mal, 27-20, putain. Ça se voit que c'est les premières parties. Ah mais genre, ah oui bah oui, la voiture. On allie, on approche. Ah putain, je fais n'importe quoi, franchement je suis désolé pour le gameplay tout pourri. Mais bon, beaucoup de personnes m'ont demandé de mettre ma première partie en vidéo. J'étais pas forcément pour, étant donné que je savais que ça allait faire des gameplays assez merdiques, je vous l'avoue. Mais bon, on va faire avec, hein, franchement.
Surtout pour délirer cette première partie, puis enfin cette première vidéo, et puis surtout pour donner mes premières impressions. Et pour le moment, je suis pas déçu. Bon, c'est pas parce que je gueule que je suis déçu, non, mais c'est franchement parce que là, je fais n'importe quoi. En plus, ça faisait... En ce moment, je touchais plus trop au Call of. Bon, j'ai fait deux Moab hier et avant-hier. Mais bon, c'est pas le même gameplay du tout, hein. Call of et MW3. Call of et MW3. Oh, Black Ops et MW3. Quelle map on pourrait faire? On va essayer de faire ça, parce que on vient de se taper celle-ci. Alors, ce que je voulais voir, moi, c'était MP7 silencieux. Alors, accessoires. C'est ça que je veux. Avec rien du tout. Donc, atout 3, dextérité, c'est quoi ça? Vous visez plus vite après avoir couru? Ok, donc ça, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, bah, ça, on garde ça. Poids léger, invisible. Les aéronefs. Est-ce que c'est juste pour les aéronefs ou... Ah ouais, du coup, là, je sais... Ah ouais, bah... est-ce que je garde poids léger ou invisibilité? Allez, je garde poids léger. Parce que sinon, ça va être gavant. Grenade à capteur, grenade paralysante. J'ai pas de Semtex. Bah non, je l'ai pas acheté. Accessoires, j'ai rien du tout. Joker, c'est quoi le Joker? Ah, ça doit sans doute être... Ah, j'espère pas qu'ils nous ont mis des barreaux d'honneur et tout. Mon dieu. Oui, on va garder celle-ci. Parce que franchement... La petite MP7 là, franchement, wouhou! J'aimerais bien... On va tester les fusils à pompe aussi. Parce que ça, c'était le genre d'arme que j'affectionnais particulièrement dans MW2. MW3, ça m'a franchement un petit peu cassé les... Hein, vous me comprenez. Par contre, là, nouvelle map, je ne connais rien, ça va être assez galère. Oh là là, oh le son qu'elle a la MP7 en silencieux, mon dieu, c'est moche. Putain, il va arrêter avec sa merde. Ah voilà, il est mort. En plus, ah bah oui, c'est une grenade. Moi, j'ai lancé en mode Semtex. Oh, il y a du monde là-bas. Par contre, est-ce qu'il peut me prendre? Ah oui, bah voilà, c'était ça que j'étais en train de me poser la question. Est-ce qu'il allait apparaître de l'autre côté? On a avancé. Putain, franchement, c'est franchement super dur quand on découvre les maps. Comme je vous disais, je suis le genre de joueur tactique, je contourne les joueurs moi, donc si je connais pas la map, c'est assez compliqué. Toi, tu dégages. Ah, je croyais qu'on pouvait passer par là en plus. Est-ce qu'ils vont arriver par là? Dans le fond. Par contre, j'aimerais bien tester la portée de la MP7 aussi. On va se casser d'ici. Même si c'est un bon petit spot, j'ai envie de découvrir un peu la map. Je suis pas du genre à camper, moi ça c'est un truc que je peux vraiment pas faire. Camper, je campe 30 secondes, je m'ennuie déjà, donc je comprends pas comment les joueurs peuvent camper pendant des heures, limite. Enfin, j'exagère, mais c'est pas des heures, mais... On va perdre B. Toi, tu crèves. Ah, oh, il y en a un autre sur B. Hop, tu crèves. J'ai envie de débloquer l'autre killstreak. Encore ? Foudroiement en attente de coordonnées. Ah, ça c'est parfait. C'est justement ça que j'attendais. Est-ce qu'on peut passer par là ? Ah oui, apparemment. Ah, ça monte jusqu'à où ça ? Ok, ça monte là. On va perdre B. On va perdre encore encore B. Oh, le pétard, il est complètement à chier. On a perdu Bravo. Ok, donc ça, vous le prenez dans la gueule. Ah, j'ai tué personne. Ah ouais, d'accord, bah moi j'ai tiré sur le toit, quel abruti. On voit que je connais la map, ça fait peur. Putain, je croyais que j'allais tuer tout le monde, mais non, bah, personne du coup. On va perdre B. Y'a encore un mec sur B là. Ah, franchement, la MP7, oh là 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 là, je la kiffe. Drone allié en approche. Ah les gars, le coup de cœur. Le coup de cœur, les amis. On va perdre Bravo. Ah franchement. Ah, c'est un pur plaisir de retrouver une MP7 comme ça. Je la trouve franchement pas cheatée. Drone en attente. Elle est plutôt très, très bonne, mais elle est pas cheatée, faut pas dire ça. Drone ennemi en approche. Mais bon, il y en a tout le temps qui sont tout le temps en train de rager sur les
sur les armes et sur tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Ah, je me sens bien à défendre C là. B, pardon. Oh, c'est bon, j'ai commencé à prendre le jeu en main, vous voyez, par vous-même. Foudroiement allié en approche. Je vais avoir mon deuxième foudroiement. Ah oui, parce qu'apparemment ça s'appelle foudroiement. C'est Dune Alpha, bien joué. Hop là, tu crèves. Yes, ça c'est bon. Deuxième foudroiement. On va essayer de les... J'aimerais bien aller les rusher pour histoire de découvrir à quoi ressemble le côté A. Bon, de toute façon, on va le découvrir après. Il y a du monde par là, faut faire attention. Mais par où? Je ne sais pas trop. On va essayer de monter là. Est-ce qu'ils vont monter par là? Ah, je les entends, il y en a un là. Hop là. Bon, où sont-ils? Où sont-ils? Je pense qu'ils vont arriver par le même endroit. MQ-27 Dragonfire prêt au lancement. Ça c'est fait. J'entends quelqu'un. Attendez. Il reste peu de temps. Voilà. Drone en comment approche. C'est quoi ce truc de merde? Impossible attention, de jouer. Drone ennemi en ah approche. Oui d'accord, c'est pas le machin. On me disait ouais l'avion en papier et tout. Ça doit être ça. Impossible. Ah, excusez-moi, j'étais concentré. Alors comment ça marche cette merde? MQ-27 Dragonfire. C'est quoi déployé. Ce truc? Ah, c'est un drone d'assaut quoi. Montez, montez, montez. Ah, ah mais bon boulot, oh mais les... Oh, excuse... Putain. Je suis vraiment un gros noob. Je me rappelais plus qu'on faisait ça en deux manches. Mais quel abruti. Bon bah je viens de niquer un... je sais pas quoi. Plus je me suis trompé de... Oh mais quel con franchement. Foutez-vous de ma gueule dans les commentaires là, franchement vous avez le droit. Putain la honte. Oh dur. Ah j'ai la rage. Là franchement j'ai une grosse rage. Putain mais quel noob. Mais quel noob franchement. On a pris le contrôle. Ah là 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 là. J'ai la rage franchement. Ah j'ai une grosse rage là. Ouf. J'essaie de me contrôler, mais franchement, je suis trop con. Comment j'ai pu oublier que ça se faisait en deux manches? Putain, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Hein? Ah, d'accord, lui m'a tué. On va aller tirer vers B. Arrivé sur votre position. Foudroiement allié en approche. On va voir ce que si j'arrive à en avoir. Ah, bah voilà, une petite double. Ça, j'aime bien. Ça que j'aime! J'arrive pas trop à me faire à cette map là. Elle m'a l'air plutôt pas mal par contre. Il va falloir la gérer avant de pouvoir faire des bons scores. Malgré que là je vais pas vous mentir là, je suis content de mon score en vidéo. Parce qu'en live c'est assez galère. Ah oui il est en bas lui. Oh putain je croyais plus loin. Non. Ah du coup ils ont pris B les enfoirés. Moi je vais essayer de reprendre B avec un allié. Parce qu'ils y sont. Par contre ils doivent. Ouais ouais. Ils doivent être en train de bien défendre B. Drone grande chance. B sécurisé. Toi tu crèves. L'ennemi a détruit votre drone. Ah ils ont tué mon drone. Ils ont tué mon drone les enfoirés. Enfin détruit plutôt. Ah il est en dessous. Ah putain, je croyais pas aussi proche. Eh, franchement, j'arrive pas à me faire à la taille de la map. J'arrive pas à vraiment analyser le drone. Mais bon, ça va venir avec le temps. Je pense qu'on va se quitter à la fin de cette partie-là. On va se quitter sur une à peu près bonne partie. Hop, là, tu crèves, toi. Non, la Semtex, putain. Je la croyais plus loin, sérieux. Alors, lui, là-haut... Tu crèves, voilà. Ah, les drop shots qui sont franchement très facilement. Ils passent tranquille. Oh putain. Ah là, mais honnêtement, je suis tombé amoureux de cette arme là. Elle est franchement magnifique.
Elle se gère plutôt rapidement. Elle change pas vraiment de MW3, c'est ça qui est cool. Drone de chasse allié déployé. Bon, ils sont en dessous, les cons. Ah putain, je le voyais pas, l'enfoiré. J'étais en mode concentration de ouf. Bon, sinon, au niveau des maps, elles sont plutôt réussites. Là, celle-ci, elle a pas mal de petits recoins un peu partout. C'est ça qui est assez compliqué pour le moment. Mais c'est le genre de map que j'affectionne particulièrement. Mais quand on la connaît pas, c'est très problématique. Tu te prends ton headshot dans la tête, toi. Mais bon, une fois que je la connaître, je vais faire des parties de ouf, je le sens dessus. Ah putain. Putain, j'aurais bien aimé conduire le petit. Enfin, piloter le petit hélicoptère, il y en a un au fond. On va perdre, bravo. Ah voilà. On a perdu. J'avais justement peur de. Machine de guerre déployée. Putain, il a tué Dune. Il est mort. C'est Dune the fuck? Non, c'est pas Dune qui est mort. Ah, oh, dur, il l'a eu sur le pont le truc. Elle me fait un petit peu penser à Interchange, cette map là. On va perdre. Vraiment un petit peu, mais je sais pas. Attention, drone. Je sais pas vous, mais moi, ouais. Hop là, un petit drop shot dans ta tête. J'aimerais bien avoir un petit foudroiement là. Ce serait cool. Ils sont Non, ils sont pas sur B là. Vas-y, on va essayer de prendre B. Putain, mais attends, j'étais pas sur la Semtex, mec. Oh là là. Elle était trop loin, la Semtex, pour me tuer, non? Apparemment, non, parce qu'elle m'a tué. Tant pis. Alors. Oh oui, il y a du monde par là, je le sens. Ah, mais il est où ce con? Ah, je vois que la MP7, je suis pas le seul à l'affectionner. On sécurise, bravo. Il y a d'autres joueurs qui jouent avec. On sécurise B. Alors, je vais aller par là, ça passe, ouais. Ah ouais, mais ça passe, mais sauf qu'il y avait un peu trop de monde. Et vu que je tire à côté, c'est assez dur à les tuer. Putain, j'ai envie de faire la kitcam. On est en train de gagner, ouais. Bon, on a gagné les trois parties. Bon, moi, c'est pas mal. Je finis premier pour la dernière partie. On voit que je commence à moins avoir du mal à jouer. Je commence à me perfectionner. Donc, c'est plutôt cool. Bon, bah, mes premières impressions. Enfin, mon impression finale par rapport aux mes premières impressions, on va dire. Eh bien, le multijoueur, plutôt pas mal. Au niveau de la connexion, je vois aucun temps de latence. Enfin, très peu en tout cas. Et puis bah c'est plutôt cool. Après on va tester je testerai les autres modes avec mes amis pour voir les nouveaux modes qu'il y a, parce qu'apparemment il y a de nouvelles choses. Donc ça c'est un bon petit point aussi d'avoir des... Ah oui, au niveau des maps aussi, ouais, c'est plutôt pas mal. Elles sont assez variées, comme j'ai dit, il y a pas mal de petits recoins et puis de stratégies à aborder sur ces maps là. Mais bon, pour l'instant, vu que je ne connais pas les maps, j'ai pas pu trop jouer stratégique, donc c'est pour ça que je peux pas franchement faire de grosses parties pour le moment. Donc voilà, donc là c'était un petit peu, je me fie un petit peu à mon instinct et puis à mes réflexes de rusher. Parce que oui, je suis genre de joueur qui joue tactique, mais je rush énormément, je reste très rarement tactique, statique. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris vraiment du plaisir à jouer pour la première fois à Black Ops 2, et j'espère que vous l'avez ressenti dans la vidéo. Allez, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce vert qui fait toujours plaisir, et puis donnez-moi votre avis sur ce nouveau Black Ops. Allez, salut à tous.